Alors surtout, il va falloir faire circuler le ballon, car c'est ce qui est important au début. Ambiance de fête dans le stade, de part et d'autre, les supporters donnent de la voix. J'espère que les joueurs seront au tempo. C'est bien trop fort. Oui, il faut jouer le ballon, pas le joueur, tout fort. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. Bien défendu. Bon dégagement. Ça n'échappe pas au gardien. Il faut jouer le ballon, pas le joueur, plus fort. Jolie frappe. Encore une occasion de centrer. En profondeur. Non, c'est mal joué, c'est encore trop loin du but. Ouais, il a voulu un petit peu, à mon avis, surprendre le gardien de loin, mais la trajectoire de son ballon n'a pas été trop bonne. Hein. Il a un petit peu raté sa façon de frapper le ballon. Ballon renvoyé en arrière. Nouvelle occasion de centrer, c'est maintenant une remise en jeu. Bien défendu. Pas de problème pour le gardien. Encore une occasion de centrer. Éloigné de la tête. Construire quelque chose. Le portier récupère le ballon. Que va-t-il faire? Voilà, belle claquette. L'arbitre accorde un corner. C'est très haut. Il y a maintenant 6 mètres. Conserve la possession du ballon. La frappe est décochée. Dégagée par le défenseur. Nouvelle occasion de centrer. Long dégagement en avant. Un bon centre permettrait d'inscrire le premier but de ce match. Oh, le gardien le lâche.
Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Chandelle. Une solide défense ici. Encore une occasion de centrer. Bien donné. Ils peuvent construire quelque chose. Le ballon est à peine hors de la surface. Il tente. À quelques millimètres près, c'était dans la cage. Je crois qu'on l'a laissé un petit peu trop jouer là. Il a réussi à frapper. La défense aurait dû monter sur lui un peu plus tôt. Super. Bonne maîtrise du goal. Il peut peut-être centrer après ce débordement. Il vise la cible. Sur ce coup-là, le gardien peut vraiment remercier sa défense. Dégagé par le défenseur. Le joueur frappe. Il n'a pas pu saisir complètement le ballon, mais heureusement, le défenseur était là. Il essaie de marquer. Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. C'est malin. Et c'est trop brutal pour l'arbitre, coup franc. Duel remporté par le défenseur. Il tire. C'est vraiment trop loin du cadre. Je crois qu'on l'a laissé un petit peu trop jouer là. Il a réussi à frapper. La défense aurait dû monter sur lui un peu plus tôt. Encore une occasion de centrer. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Le ballon franchit la ligne. Corner. Frappe de la tête. Ils peuvent construire quelque chose. Ils vont effectuer cette touche. L'arbitre assistant a levé le drapeau hors jeu. Il essaie de marquer. Belle tentative, mais c'est hors du cadre. C'est dommage que sur une transversale pareille, on trouve personne à la réception. Encore une belle occasion. Et c'est dégagé. Ils peuvent construire quelque chose.
Bien joué de la part du gardien qui capte le ballon. L'arbitre a regardé son chrono. C'est quasiment la fin du temps additionnel. La défense est solide. C'est la mi-temps, tout le monde se repose, sauf les entraîneurs qui peuvent élaborer des tactiques. Début de la deuxième mi-temps, allons-nous avoir une seconde période aussi disputée ? Interception de la défense. C'est toujours dangereux sur les côtés. Dégagement. C'est bien de jouer dans le couloir. C'est une remise en jeu. Le ballon sort à nouveau du terrain. Passer par le côté, c'est toujours intelligent. Le gardien est en danger. Aïe, il fallait pas le prendre celui-là. Il reste du temps pour marquer. Mais c'est vraiment stupide. Christian, il a tenté l'impossible sur ce centre et il a réussi. Ah, il peut garder les mêmes chaussures pour le prochain match. Il mène grâce à ce but. Je pensais vraiment qu'aucune équipe ne pouvait marquer. Mais emporté par la foule qui les menait et les entraînait, on a senti que les attaquants pourraient scorer. Nouvelle occasion de centrer. Il tente sa chance, mais il a manqué le cadre. C'est dommage parce que là, la finition n'est pas à la hauteur de la préparation. Encore une belle occasion. Est-ce le but? Il peut marquer un but. Ne jamais oublier de jouer le ballon, pas le joueur. Encore une occasion de centrer. Il va peut-être la prendre. Oui, bien sûr, bien joué. Ce but est important. L'égalisation donc. On va avoir une fin de match complètement folle. Et vous avez vu comment ses yeux se sont illuminés quand le gardien a relâché le ballon. Et après, ses pieds ont fait le reste. Il y a donc égalité un partout. Ça, c'est le bon moment pour l'égalisation. Et en plus, les supporters sont ravis. Et il vaut mieux quand même. Est-ce qu'on va assister maintenant à un grand moment de football ? La passe a été interceptée. On ne peut pas discuter avec l'arbitre. Coup franc mérité.
C'est leur premier changement dans ce match. Avoir tant d'occasions dans un match et ne pas les mettre au fond, c'est normal de se faire remplacer à un moment. Plusieurs options sont disponibles. Minutes dans la seconde période. Ederson, auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Il a trouvé un partenaire, voyons la suite. Il va peut-être marquer. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Et je peux vous dire, c'est pas le genre d'occasion qui manque en général. À mon avis, il a joué un petit peu trop facile. Ça manque de précision. Oh, il y a un bon coup à jouer. Ils peuvent construire quelque chose. Ceci pourrait tout changer. Oui, encore un. Encore un. Ils sont dans une très bonne période en ce moment. Que c'est bien joué. Si tu l'as assez libre de tout marquage, le passeur et le buteur, voilà ce qui risque d'arriver. Une première lame ajuste l'ouverture et la deuxième marque le but. Ça, c'est tranchant. Ils ont un but d'avance, 2-1. Là, c'est le bon moment. On sent qu'ils ont envie d'enfoncer le clou à marquer un autre but. Mais prendre des risques, ce n'est pas trop l'habitude de ce coach. Il peut provoquer le gardien. Ederson. Le joueur frappe. Facile pour la défense. Le gardien a le jeu en main. Il sort de son but et capte le ballon. Il a mis le pied sur le ballon. Joe Bryan. Et malgré la pression, c'est du beau football. Les avants font vraiment un travail extraordinaire. La menace est écartée. Grossière erreur de la défense, le ballon est récupéré. Ouh là là, ça peut être fatal. Bonne lecture du jeu, il prend le ballon de la tête. Allez, ça doit aller au fond. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Récupération du ballon. Ils n'arrêtent pas d'attaquer, c'est un vrai régal, ils vont peut-être en marquer un. Une solide défense ici. À nouveau une tête.
Il sort de ses cages et le ballon atterrit directement dans ses mains. Ils ont de l'avance et la possession du ballon, il ne peut pas leur arriver grand chose. La passe est trop longue, le ballon va derrière les filets. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Presque 75 minutes écoulées. Le décalage est fait. Il veut marquer. Directement dans les gants du portier. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Bon travail et bonne possession du ballon. Bien joué de la part du gardien qui capte le ballon. Attention, tout ballon perdu dans cette zone de jeu peut être extrêmement dangereux. Elle est belle cette passe. Ederson. Pressing super efficace. Un ballon repassé en arrière. La balle change de propriétaire. Ça peut être extrêmement dangereux. Encore une belle occasion. Quel coup de tête! Oui, la passe arrive à destination sur l'aile. Le goal la bloque. C'est sympa de voir des défenseurs jouer avec autant de justesse sans vraiment paniquer. Maintenant qu'ils ont le ballon, ils arrivent un peu à le conserver. Ça peut suffire. L'adversaire est un petit peu perdu. La position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Il faut vraiment du mordant chez les attaquants. C'est un défenseur qui récupère le ballon de façon admirable.
l'occasion de centrer. Quelle erreur de la défense, c'est dangereux. Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles. Comment il a fait pour rater un tel but? Il avait fait la différence, il se trouve en face à face avec le gardien, il manque la finition. Oh, il a mis les chaussures à l'envers ou quoi? Un seul but d'écart et ce sont les 5 dernières minutes. Ils peuvent encore se permettre d'avancer. Ils repartent de l'avant, c'est la seule solution pour espérer que cette rencontre ne soit pas encore terminée. Bonne action, le ballon est récupéré. Oh, que ça peut être dangereux sur ce compte. Oh oui, franchement, c'est trop bien joué. Et désormais, l'écart se creuse. Christian, il a été formé chez les Marlins pour pouvoir envoyer une telle bolide à une telle distance. Heureusement qu'il n'a pas frappé un poteau, sinon il aurait pu casser les cages. Une différence de 2 buts, ça peut suffire. Ah là, à mon avis, c'est le risque à payer quand tu pars à l'abordage. Là, à mon avis, il en reste plus. Et il expédie au-dessus de la barre. C'est étonnant, il avait encore le temps d'avancer, il n'a pas avancé, il a préféré frapper de loin. Ah, c'est pas mal joué quand même. Attention le défenseur, il faut revenir. Nouvelle occasion de centrer. Il entre, balle au pied dans les 16 mètres. C'est un tir lointain. Encore une occasion de gâcher car le tir n'est pas cadré. En général, quand on a des occasions comme ça, il vaut mieux les mettre au fond. Hein, parce qu'après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Cette passe peut surprendre la défense. Attention, il frappe. Le gardien peut pousser un ouf de soulagement, mais heureusement, il n'y avait pas de buteur pour mettre la balle au fond. Et boum, quelle est belle! Pas de problème pour le gardien. On est dans le temps additionnel. L'arbitre regarde sa montre, il ne reste pas lourd à jouer. O'Brien. Le hors-jeu est évident. C'est fini. L'arbitre a sifflé. C'est la fin de cette rencontre. Sincèrement, on peut les admirer.